Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici, c'est déjà le soir. Alors, vous m'écoutez là? Do you me? Vous m'écoutez? Celui qui m'écoute, mettez en commentaire. Bonsoir, Christian Ngambe. Ngwambe de Touko. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On voit les photos partout là. Bonsoir Sandrine Chamba. Tu as jeté ton frère. Hein, Sandrine Chamba. C'est comme ça la famille. Tu t'appelles Chamba. C'est comme ça la famille. Hein. Bonsoir à tout le monde. Voilà. On va faire un petit décryptage, non? Frambia. Ah, Paul Biya n'a jamais aimé personne, c'est vrai. Le père là n'aime personne. Avec le temps, tu comprends. Vous savez, quand t'aimes, père t'aime. Ok? Mais et comment alors? Comment tu m'as pas, tu m'as jeté? Parce que même une thérapie, tu m'as pas offert. Hein? Voilà. Parfois, on se réconcilie. Voilà, en faisant bien les choses. Comme ce que le comédien vis-à-vis de Lolita, il devait faire. Mais la haine a pris le dessus et la rancune fait du mal aux rancuniers. Hein? Je te remarque quand tu venais supporter votre présidente ESPD, Gembra Katala. C'est là où j'ai remarqué ton nom. C'est là où j'ai appris que tu es l'une de ses employées. Tu es l'une de ses employées. Et puis, bah, comment alors une employée n'a pas l'argent? Mais ici, voici là où on parle de l'avenir du pays. Ici, on parle de l'avenir du pays. C'est ici là que vous devez soutenir. C'est vrai, c'est nous les vrais leaders. Bonsoir, Syrien, Syrien. C'est ici là, c'est nous les vrais leaders. C'est nous qui devons vous protéger pour le Cameroun de demain. Parce que vous avez peur de parler de la politique. Vous parlez du piment. Maintenant, nous, on est derrière, on vous protège. Vous ne nous nuisez pas, mais le jour où vous faites quelque chose qui est bien, on apprécie. Tu as vu ma sortie la dernière fois. Quand elle a dit que non, cotisez pour moi. Voilà. Quand elle a dit cotisez pour moi, j'ai dit ce n'est pas une mauvaise initiative. Voilà. Apprenons à accepter quelque chose est bien, même si c'est ton ennemi qui l'a fait. Il faut apprendre. La reconnaissance demande, l'humilité demande que même quand c'est ton ennemi qui fait quelque chose de bien, il faut accepter que non, il a fait quelque chose de bien. Pourquoi? C'est l'éveil de conscience ce qu'elle a fait. L'éveil de conscience. Donc, elle interpelle les gens, les uns les autres. Il est anormal que tu as les problèmes alors que tu as les abonnés et tu souffres. Je veux dire, attendez, je me soigne parce que mes abonnés sont en train de cotiser. Je me soigne parce que mes abonnés ont décidé de prendre mon traitement en charge. Pourquoi? Parce que certains se reconnaissent en moi. Je vais aller prendre l'argent où? C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une affaire que tu as l'argent beaucoup. Même si j'ai l'argent là, mes abonnés disent que je paye. C'est comme l'autre jour, il y a là quatre personnes qui m'ont appelé pour me dire, Banga Diaspora, l'argent que tu as en train de demander là, non? Oublie ça. Oublie, je vais te donner 200 dollars. L'autre va te donner 100 dollars. On coupe avec, tu oublies. Mon ami, concentre-toi sur le travail. C'est comme ça la vie. Donc, maintenant, ceux-là qui sont frustrés et puis qui n'ont pas, voilà, et ceux-là qui sont frustrés et qui n'ont pas le courage qu'elle a là, de demander, parce que demander, c'est avoir le courage. Hein. Faut dire la vérité. C'est pas tout le monde qui a le courage de demander. Hein. Oui. Et puis, c'est même une erreur. Tu ne peux pas passer ton temps à causer avec les gens, leur donner du plaisir. Certains se reconnaissent en toi. Certains ne sont pas d'accord. Certains sont d'accord. Et le jour que tu as le problème, tu n'as pas le courage de parler. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est le m'as-tu vu. Et c'est aussi ça un leader. Un leader doit apprendre à se rabaisser. Un leader, c'est celui-là qui doit apprendre à se ridiculiser parfois. Si tu es un leader et que tu veux jouer, tu veux te zéler, tu es mort en guerre. Non, tu es mort en guerre. C'est dangereux quand tu es un leader, tu penses que tu as l'autosuffisance. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aussi apprendre à mettre la main dans la poche pour donner aux autres. Parce que les autres te donnent. C'est aussi ça un leader. Voilà. Je pense que peut-être, voilà pourquoi elle a le dessus sur certains.
Parce que ça ne sert à rien de jouer à l'autosuffisance. J'ai toujours dit sur la toile, je ne suis pas un misérable. J'ai mon petit argent pour nourrir ma petite famille. Je ne viendrai jamais sur Facebook demander que donnez-moi l'argent pour nourrir ma famille. Mais parce qu'on m'a arrêté, on m'a tapé. Parce que j'ai dit que Pobia doit partir pour me priser de position. Mais c'est tout à fait normal que je revienne vers vous. Mais c'est normal. Voilà les menaces. Les gens me menacent. Continue toujours. Tu vas voir. Le tout, si tu vas voir. D'abord, on a ton nom. On va te prendre à l'aéroport. Mais je ris. Ça, c'est les choses que moi, je gère seul. Je l'envoie maintenant. Je l'envoie mon nom. Il dit que voilà mon nom. Je m'appelle Wamen Kwatu Rao Bena. Va m'attendre à l'aéroport. Et j'arrive. Et le jour que j'arrive, je t'appelle petit Tintin. C'est clair. C'est clair. C'est normal, quoi. Donc, c'est tout à fait normal que après, si j'ai le choc, mais vous devez venir au secours pour moi. C'est clair. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, voilà tous les marabouts, mon frère. Vous sortez même doués. Vous n'avez pas honte de souffrir comme ça, là. Vous, les faux marabouts, si vous venez sur les pages des gens, emmerder les gens. Alors, il faut être courageux aussi, hein, pour avoir les points, venir par là en public. Donc, tu veux le changement, mais quand c'est ailleurs, tu contribues. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit tantôt. Bonsoir à tout le monde, une fois de plus. Nous allons faire un petit décryptage, nous allons parler de Frambia. Frambia, là, il tourne, il tourne. Frambia, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu respires la politique. Tu as grandi dans la politique. Tu es même né même dans la politique. Mais on, oui, ça fait plus de 50 ans que... Ça fait plus de 50 ans que Paul Biya est aux affaires. Attendez, mon frère. Tu es né sur le sein de la politique. Comment? Tu es le fils d'un politicien. Arrête de tourner là. Pourquoi vous faites comme ça? Prends ton destin en main. Comme si on connaît que voilà un adversaire qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a de tourner? Continue à tourner comme ça là. Continue à tourner. Tu donnes toute la force aux ennemis de ton père. Ou bien à ses collaborateurs qui disent que non, on est en train de forcer l'enfant là. Parfois dans ta vie, à force de faire semblant, de ne pas t'intéresser, les vraies personnes s'intéressent. Et le jour que tu vas venir, tu ne seras pas fort. Voilà. Tu ne seras pas fort. Et j'ai toujours dit, je ne sais pas si c'était le souhait de Paul Biya qu'un jour son fils fasse la politique. C'est un père qui n'a aimé personne. C'est quelqu'un qui a cru qu'il devait être éternel sur terre. Et aujourd'hui, il met la vie de l'enfant là en danger. Mais oui, si on veut faire les analyses, regardez partout, ailleurs, toutes les dictatures où les parents ont voulu que les enfants font la politique. À un certain moment de la vie, on les a enlevés dans leur position pour dire que tu t'engages. Allez, Ali Bongo a fait les Kelly. Hein? Ali Bongo a fait les Kelly. Jusqu'à un moment, son père dit que monsieur, tu quittes de là, viens ici là. Mais Frambia ne sait rien faire. Nous sommes en train de faire l'analyse. Pour ceux qui pensent, c'est un amateur. C'est un amateur. La seule chose qu'il porte, c'est qu'il s'appelle Biya. C'est tout. À part ça, rien d'autre. Rien d'autre. Donc ça veut dire que Paul Biya n'a jamais aimé même son propre enfant. Parce que s'il avait voulu, s'il avait aimé cet enfant-là, parce que cultiver un enfant maintenant, c'est aussi l'aimer. Tu ne peux pas avoir trois voitures. Ton fils a 1m60, 1m70, 1m80. Il a 15 ans. Il n'apprend pas à conduire. Mais il est normal que tu es dans une maison où tu es le seul chauffeur. Ta femme ne sait pas conduire. Tes enfants garçons qui sont des géants là ne savent pas conduire. Pourquoi tu fais ça? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Paul Biya, il attend quand? Ça a plus de 50 ans qu'on amène quelqu'un sur la scène. Aujourd'hui, que certaines personnes découvrent la voix de Frambia. Et il faut toujours faire attention hein, à quelque chose qui te surprend dans la vie. Hein. Il faut toujours faire attention à ce qui nous surprend dans la vie. Voilà, à la dernière minute. Peut-être on est en train de pousser le gars de truie, quelqu'un qui aimait lui que sa vie. Mais c'est quelque chose qu'on devait arrêter depuis. Voilà pourquoi on dit les chers parents, arrêtez d'être égoïstes. Je suis dans une analyse froide. Hein. Ok? Je suis dans ce qu'on va faire. Je fais ce qu'on appelle l'analyse froide. Une analyse très froide. Je ne suis pas ici pour tolérer à quelqu'un ou même pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle de la démarche à tenir quand tu souhaites que ton fils fasse quelque chose que tu aimes. Voilà. Et quoi que tu fasses,
Il ne pouvait pas s'en passer de la politique. C'est pourquoi aujourd'hui, il a même de la peine à s'exprimer. Que non, quand c'est politique, vraiment, non. Non, comment un enfant, comment un homme qui a 50 ans et plus, dit que pour le moment, il est réservé vis-à-vis des sorties politiques, des opinions politiques. Mon gars, tu es né de la politique, tu respires politique, tu manges politique. Donc, si on veut parler des gens qui vivent de la politique depuis les années au Cameroun, qui vit de l'argent du contribuable, hein, qui vit de l'un des parents les plus vieux politiciens, peut-être du monde, c'est Frambia, le fils. Tu vis de la politique. L'opulence que tu as là, les atouts que tu as là, tout ça c'est la politique. Tu marches avec la GP, c'est quoi? Mais c'est la politique. Parce que tu le fais, tu utilises les moyens de l'État. Tu pars chez le Lamidon, on t'ouvre les portes. Tu pars chez le Sultan Bamoun, on t'ouvre les portes. Mais attendez, c'est quoi? Ça, ce sont les sorties politiques. Arrête de déranger les gens. Arrête de déranger les gens, mon gars. Engage-toi. Comme ça, on connaît que bon, on a un autre adversaire en face de nous. Homme de son père, lui aussi, il est là. Ça ne sert à rien de contourner. Tu contournes quoi? Deviens un vrai homme. C'est ça, un leader de demain. Un leader de demain n'a peur de rien. Vous m'avez arrêté, vous m'avez torturé. Ça empêche quoi? Je continue à parler. Parce que c'est la vie. On passe par là. La prison, c'est une bonne chose. Même la maladie, même la mort. Voilà, si tu penses que tu veux vivre et crois que tu ne seras jamais malade, mon ami, fais attention. Ça veut dire que tu es perdu. C'est pourquoi je ne suis jamais d'accord avec cette thématique-là. Que non, si quelqu'un te met en prison, c'est qu'il voulait ta mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Parfois, c'est de la prison qu'on réussit dans sa vie. Parfois, c'est parce qu'on a été endetté que dorénavant, on sait comment faire. Il faut parfois avoir les problèmes pour connaître comment trouver la solution dorénavant. Est-ce que tu comprends bien? Il faut parfois être malade pour connaître la valeur de l'être humain dans la position qui se trouve quand il est malade. Vous allez voir des personnes arrogantes, orgueilleuses, sont des personnes qui évitent toutes ces choses-là. Non, je ne veux pas avoir la, je veux pas aller en prison. Mais attendez, tu ne peux pas être un vrai homme. C'est le passage des hommes. C'est les hommes. Tant que tu vis sur la terre des hommes, mon ami, il y a des choses que ne dis pas. Que non, je ne peux pas aller en prison. Il y a les innocents en prison comme ça, versés. Waouh! Que non, il y a... non, non. C'est la place des hommes. C'est les hommes qui l'ont construit. Et la prison, ce n'est pas un mot d'aujourd'hui. C'est un mot qui existe même au temps de Dieu. Même quand Dieu venait sur terre, il y a eu tout la prison. Depuis la nuit des temps, il y a tout la prison. C'est les vraies places. Et tant que tu es un homme là, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Que non, faut pas. Non, laisse ça. Laisse ça. Un homme doit être menacé. Un homme ne doit pas se faire aimer par tout le monde. Si tout le monde t'aime, connais que ta mort est proche. Tintin. Hein? Voilà donc, mon frère, monsieur Frambia, il faut que tu t'engages. Il faut s'engager. Ça ne sert à rien de tourner. Ça ne sert à rien de tourner là à gauche, à droite. Non, je ne fais pas la politique. Ils sont trop nombreux là. Je ne fais pas la politique. C'est la démagogie ça. Comment un homme peut dire qu'il ne fait pas la politique? Le terrain là où tu as invité les Francis Ngannou là, c'est quoi? Hein? Tu es sur la torche de la politique. Tu es le fils du président de la République. Qu'est-ce qu'il y a quoi de mauvais de dire que non? Engage, attendez, c'est de ton droit. C'est de ton droit. Maintenant, nous aussi, on se met prêt que tu ne dois pas passer. Parce que le fils de quelqu'un qui n'a rien fait ne fera rien lui-même. Hein? Ah, mon général, voilà un frère, mettez le cœur, voilà notre frère. Voilà, il est mairesse. C'est un mairesse. Voilà, il travaille dans la section, le département informatique. Ah, les Camerounais qui sont derrière, Patrick Domché. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut s'intéresser à la politique. C'est, les gens, pourquoi les gens, c'est comme ça qu'on a fait pour nous tromper depuis l'enfance, hein. Que non, je ne fais pas la politique. Les sous-préfets. Non, 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 je suis administrateur civil. Je ne fais pas la politique. Ils volent les unes. Ils bouent les unes. Ils ne font pas la politique. Mon ami, la politique est inféodée à tous les niveaux dans notre pays, le Cameroun. Un pays, on se lève un matin. On commence à payer les chefs de village. Chefs de village. Gardien de la tradition. Un matin, on se lève, hein, on commence à payer les chefs de village. Hein? Est-ce que c'est une mauvaise chose de dire qu'on fait la politique? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ok? Il a peur. Et sur quoi il dit que il a peur? Il a peur pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on l'a pas cultivé.
Voilà pourquoi on dit, même Paul Bia n'a pas aimé son propre fils. Paul Bia n'a pas aimé son propre fils. Parce que dans la vie, la seule chose que tu peux former ton enfant aujourd'hui, c'est ce que tu sais faire là. Méfiez-vous dans la vie. Arrêtez de dire que non, mon enfant va choisir. Non, ton enfant va choisir. Mais quand même, apprends-lui ce que tu sais faire. Chez moi, jusqu'à mon dernier fils qu'on a écrasé la canne à sucre. Mais oui, jusqu'au dernier, mon dernier fils qu'on a écrasé la machine de canne à sucre, il connaît presser le jus de canne. Mais oui, parce que pour le moment, c'est ce qui l'a nourri. Mais dans quitte à ce qu'un jour, tu décides que je m'engage ou pas. Un gars qu'on flambe bien, en réalité, si Paul bien l'aimait. Parce que quand on le dise ou pas, on dénonce chaque jour. Il y a tout le népotisme au Cameroun. Voilà ses soeurs, son frère et sa soeur. N'est-ce pas, ils ont eu l'ENAM. Est-ce qu'ils sont à l'ENAM? Où est le bureau? Où est Junior Bia? Le bureau de Junior Bia est où à l'ENAM? Après l'ENAM, ils sont où? Brenda, elle est où elle-même? Elle est dans quel bureau? Alors qu'ils ont eu l'ENAM. Hein? Les noms étaient sortis. Brenda Bia et Junior Bia, ils ont passé l'ENAM. Ils sont où? Donc c'est le népotisme. Je pense que si Paul Bia voulait, en réalité, protéger son fils, il devait déjà lui former dès maintenant. Vous voyez, les gens qui refusent à croire que la mort existe, la vieillesse existe. Un jour, on sera fatigué. Dans la vie, quoi qu'on fasse, un jour, tu seras fatigué. Donc, c'est pourquoi on dit que dans la vie, quand tu passes ton temps à tromper le peuple, pour finir, tu te trompes toi-même. Parce que je connais, il y a les enfants des ministres qui sont cultivés politiquement que Frambia. Il y a des ministres qui ont les enfants sous-préfets, qui ont les enfants préfets, secrétaires d'administration, qui sont partout, qui sont magistrats. Ils sont plus cultivés que Frambia. Mais oui, je pense qu'il devait engager son fils depuis longtemps. Mais oui, il devait engager son fils depuis longtemps. Parce que le commandement, ça, c'est maintenant. Il faut forger les gens maintenant. Mais attendez, regardez le prince héritier du Maroc. Vous croyez qu'on est fou? Vous regardez le prince héritier du Maroc. On apprend déjà que c'est toi le futur prince. Voilà. Quand il salue les généraux se courbent. Mais oui, parce qu'on doit te faire allégeance dès le départ. Et le danger de Frambia, ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas Maurice Kamto. C'est les hommes de main de Paul Bia lui-même. Puisqu'il a été hors jeu depuis longtemps. On ne l'a jamais présenté. Il a été hors jeu depuis longtemps. Les gars ont volé l'argent, les fortunes de guerre. Les gars ont beaucoup d'argent. Pendant ce temps, Franck Bia n'était pas intéressé. Maintenant, chacun le regarde. Dans Mango Cam, dans Manogo Cam, alors qu'il devait être déjà dans le système depuis. Ça veut dire que Paul Bia n'a pas aimé son propre enfant. Frambia devait être dans le système. Il ne suffit pas seulement, le fils de Paul, du président. Le nom là, oui, on va respecter le nom. Mais tant que tu n'as aucune fonction, personne, tu ne fais peur à personne. Parce que c'est la fonction que tu occupes. Ok? C'est la fonction que tu occupes qui détermine peut-être ton avenir même politique. Les postes que tu as déjà occupés dans ta vie. Donc voilà le pourquoi. Vous avez vu les gars comme les Mebengo. Ils ne devaient pas être dehors. Ils devaient être automatiquement neutralisés. Pourquoi quelqu'un qui était secrétaire général de la présidence, après sûreté nationale, ministère de la défense, hein, tous ces postes-là, quand un gars est passé dans tous ces postes-là, surtout à son temps. Ce n'est pas le genre comme aujourd'hui que Atangandi. Atangandi est là seulement pour remplir les formalités. C'est un comédien. On connaît là où l'ordre sort. Atangandi, il profite aujourd'hui à l'administration territoriale parce qu'on connaît le problème. Le problème vient du Nozo. Voilà, une manière pour dire que bon, vous demandez quoi? N'est pas voilà votre frère qui est le ministre de l'administration territoriale. Mais nous tous on connaît, il n'a aucun pouvoir. Donc c'est pour dire que quoi? On devait déjà forger Frambia depuis longtemps, à être dans l'administration. Mais oui, même pour être un grand bandit, il faudra commencer à voler un peu. C'est ça. Donc Frambia n'a pas fait du bien à son fils. Regardez, aujourd'hui, il panique. Il a peur de s'assumer.
Il a peur de s'assumer. Mais c'est toi qui veux t'inscrire. C'est toi qui es là. Tu dis que bon, tu es venu accompagner l'initiative d'un jeune frère, président d'une sous-section, ici en diaspora. Il faut accompagner les initiatives. Mais mon frère, voilà l'effigie de ton père sur les tissus pagne. Sur les tissus pagne. Il faut assumer. Voilà. Et maintenant, alors, tu vous vois un peu. Voilà, la, voilà le pourquoi les gars ne veulent pas laisser le pouvoir. Regardez un peu. Voilà la réunion familiale. Voilà la réunion familiale. Parce que si Frambia était dans le système depuis là, hein, et qui pensait que moi, je vais m'engager en politique, je vais être président du peuple. Mais c'est un gars que nommé devait partir au Nozo. Ils font comme ils font souvent là, utiliser les moyens de l'État, négocier. Mais oui, Frambia, on pourrait le nommer comme un ministre de la réconciliation et de la diaspora. Mais lui, il sert à quoi? Il ne sert à rien. Ça veut dire que Paul Biya ne l'a jamais lui-même aimé. Aujourd'hui, on porte l'enfant d'autrui, on vient afficher en public. Quand tu vois le monsieur là, il ne s'y connaît pas. Mon ami, ce n'est pas facile quand tu découvres et que tu te vois obligé de faire quelque chose à 50 ans. Faites attention. À 50 ans, on ne commence pas certaines choses. À 50 ans, on ne commence pas certaines choses. À 50 ans, on continue sa vie. Détrompez-vous. Ce n'est pas le bébé pour quoi vous parlez là. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Ce n'est pas facile. Il faut être dans la chose. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ministres. Il y a des gens qui ont démissionné. Il y a des gens aujourd'hui qu'on nomme. Tu es surpris. Alors que ça fait longtemps qu'ils étaient dans la machine. Mais c'est clair. C'est clair. C'est quand tu écoutes le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, que tu comprends. Ah! Donc le type, si on l'avait kidnappé depuis, quand il était professeur, c'est quand il a fait son témoignage sur l'autre professeur là. C'est grâce à ses élèves étudiants, béninois, étrangers, qu'on a dit que mais comment notre professeur avec qui on a soutenu la thèse, c'est lui qui doit nous remettre les épreuves, les diplômes. Comment? Et c'est la loi universitaire. Comment on va faire les choses sans lui? Alors que le gars était dans une cellule cachée quelque part, qu'on l'a enlevé. Donc, souvent, rien ne le fuit du hasard. Un leader, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. C'est pourquoi je dis toujours à mes petits frères, à mes grands frères, l'atout qu'on a eu dans la vie, c'est d'avoir vécu à l'étranger. C'est une très grande richesse. Si nous tous, les gars de la diaspora, beaux ailleurs, tu as voyagé tout et tout, mon ami, si tu es un homme qui a voyagé, tu as passé le temps souvent dehors, tu as dormi toi seul, tu as patienté pendant les années, attendre tes papiers, demander l'asile par-ci, par-là, on rejette. Mais pour finir un jour, tu trouves la solution à tes problèmes. Mon frère, si tu as peur, ce n'est pas ton esprit qui avait voyagé, c'est ton corps qui avait voyagé. Parce que tu es un homme vide. Quand je vois les gens viennent m'avoir m'écrit, vraiment Banga, vraiment Raoul, tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, tu ne me dis rien. Tu ne me dis rien. C'était le plus difficile là-bas. Tu me dis que je mets ma vie en danger parce que je parle de mon pays. Et il dit, regarde-moi quelqu'un comme ça. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Il dit que tu tapes ta porte, tu es beau ailleurs. Être beau ailleurs, ça ne suffit pas. C'est un esprit. Et maintenant, le vrai voyageur, c'est après avoir voyagé. Qu'est-ce que tu apportes à ton peuple? Ah, donc ton problème, c'est venir t'asseoir dans les bars. Tu voulais que je rentre. Je fais les folies de l'époque. Je suis dans la Mercedes, je fais les vidéos, je balance, je montre que tout est rose. Hein, c'est ça. Ah bon? Tu n'as servi à rien. Au contraire, tu as enfoncé les gens. Je suis fier de moi. Pour ce que je fais, pour les risques que je prends. Au moins, on comprend que voilà un gars qui pouvait manger à sa faim, boire sa soif, mais il est intéressé par les choses que les autres ne s'intéressent pas. Voilà, tu as risqué le désert, la Méditerranée, pour avoir peur de parler de ton pays. Et tu es un homme. Ce n'est pas toute personne qui m'appelle pour me dire que non, non. Mon ami, soit je te raccroche, par respect, je dépose le téléphone. Je ne t'écoute même pas. Quand tu commences à dire que non, gars, il faut. Mon ami, le désert m'a raté. J'ai des amis que la famille ne connaît pas là où ils sont jusqu'à aujourd'hui. J'ai des amis qui ont disparu comme ça là. Tu as vraiment fait l'aventure. Et tu as peur. Tu as vraiment fait l'aventure? Comment tu as fait l'aventure et tu as peur?
Tu as peur d'un être humain qui va mourir? Tu es courageux d'aller arrêter les fils barbelés, grimper, malgré qu'on te cogne, on te bouscule. Malgré qu'on t'a escroqué combien de fois? On t'a refoulé combien de fois? Si tu peux mettre l'énergie là seulement, au profit de ton pays sera libéré. Si chaque Camerounais de la diaspora pouvait mettre l'énergie, tout son vécu, au profit du Cameroun, parce que le pays là, il est libre depuis là. Mon ami, tu connais ce qu'il veut dire? Être en face des personnes armées. Devant toi, tu as toute une barrière. Les fils barbelés. Mais tu grimpes quand même. Malgré qu'on te cogne, vous grimpez. Hein? Malgré qu'on vous dit qu'il y a les restrictions ici, là, on interdit. Un matin, vous vous levez un jour. Dans le même courage qu'on se lève parfois, là, 500 personnes, 1000 personnes, ok? Pour casser les barrières pour entrer là. C'est le même courage que si on met en application chez nous au Cameroun. Ces gens-là vont tomber un matin. Voilà. Donc si moi je fais ma part, mon frère, garde tes conseils pour toi. Garde tes conseils pour toi. Je sais que tu es quelqu'un d'égoïste. Ton problème, c'est que le monde a changé parce que ta vie a changé. Qui t'a dit ça? J'ai compris la vie. Je ne jubile plus mon succès. J'ai compris la vie. Je l'ai fait auparavant, mais aujourd'hui, j'ai compris la vie. La voiture a des valeurs quand il y a la route. La maison a la valeur quand il y a la route. Est-ce que tu comprends bien? Donc, ton immeuble là, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il n'y a pas accès. Ta voiture n'a aucune valeur. Il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Pendant ce temps, malgré tout, tu as ta carte de séjour. Un de tu viens, tu fuis, tu pars. Un de tu viens, tu fuis, tu pars. Tu penses que tu vas développer le pays. Et tu es surpris que la même route se dégrade. Les mêmes choses sont là. Ah bon? Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué. C'est un peu comme la réussite. On réussit aussi en fonction de son passé. On ne réussit pas parce que sa vie seule a réussi, non. On réussit aussi en fonction de son passé. On est mieux que hier. Mais il est normal que tu as souffert dehors, dans un pays qui a tout, et tu retournes chez toi avec ton argent, investi encore dans le même pays de merde, ou un pays qui manque de tout. Est-ce que tu peux dire ça à ton ami? Que tu as construit ta maison à 100 millions. Tu as manqué l'eau, tu as fait que le forage. Est-ce que normalement, vous savez que ce n'est pas légal? Ce n'est pas normal que chaque citoyen doit avoir le forage. Ce n'est pas normal. Parce que la nappe du sol là, tu ne connais pas ce qui est en bas. Tu ne connais pas ce qui est en bas. On doit envoyer les techniciens appropriés. Mais comme c'est un pays où chacun peut faire ce qu'il veut, voilà, le gouvernement a échoué. Ils ont abandonné les responsabilités. Voilà le pourquoi chacun s'engage à faire son forage. Alors que dans les normes, ça ne devrait pas être comme ça. Ça doit être régi par la loi. On doit venir regarder le sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ça peut être qu'il y a un poison au sous-sol. Ça peut être qu'il y a le gaz là-bas. Tu ne connais pas. On doit voir la distance entre le forage et le WC et le puisard. Notre, c'est Dieu qui nous sauve en Afrique. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Non, j'ai. Et pourquoi alors tu vis dehors? Pourquoi tu vis dehors? Banga diaspora. Mon ami, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien. Mon ami, quand tu viens d'une famille pauvre, quels que soient tes milliards, tu es toujours pauvre. Voilà. C'est le développement qui fait à ce qu'un peuple est riche. C'est le développement, c'est les infrastructures. Voilà. Les pays riches ne définissent pas que les citoyens sont tous les riches. Non. Parce qu'ils ont un grand pays. Les passeports les plus forts du monde sont les pays où les peuples ne sont pas absolument les plus riches, mais c'est parce que le pays est construit. Et quand un pays est construit, ça devient attractif. Ça donne les opportunités aux femmes de marier, d'épouser les étrangers. Ça donne les opportunités aux gars même que constamment les gens viennent leur rendre visite. Quand tout est bien structuré, regardez les pays comme le Kenya. Regardez les pays comme le Kenya. Regardez dans le monde entier, regardez les Kenyans. Les Kenyans, vous allez dire qu'ils sont vilains. Et si on te dit les femmes que les Kenyans, les hommes épousent, c'est pas eux qui vont chercher. Hein. Ce sont elles qui vont là-bas.
en tourisme se balader, elles finissent par épouser les Kenyans. Mais oui, oui, oui. Mais c'est nous qui sommes dans les pays du monde entier, mais on n'a pas la chance que nous on a. Eux, ils ont. Pourquoi? Parce que nous, on a un pays qui n'est pas attractif. Bon, les gens ont parlé. Tu es là parti à Nairobi, monsieur. Il faut voyager. Hein? Voyager. Il faut voyager. D'où couvrons le monde? Quand un pays est attractif, il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Ça amène les superstars. Superstars. Ça donne les opportunités. Il y a les forums dans le pays. Mais le Cameroun a de la peine. Voilà pourquoi le Camerounais est l'un des Africains qui doit souffrir beaucoup pour réussir. Il est obligé de partir. Alors qu'il y a les pays en Afrique, c'est les autres qui viennent chez eux. Regardez les pays comme la Thaïlande, là, vous croyez c'est quoi? Les pays comme la Thaïlande, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas. Ils ont peut-être leur riz et, les fesses de leurs filles. Terminé. Voilà comment la Thaïlande est construite. Hein. C'est la ressource humaine, non? C'est les fesses de leurs filles. Hein. Les pays comme la Thaïlande, là, je parle vrai. C'est les fesses de leurs filles construites, là, qui a conçu la Thaïlande. La Thaïlande, là. Mais oui, pourquoi? Ils ont construit, c'est l'exé. Ils attirent les gens. Les gens viennent construire les hôtels Fopstar. Tu épouses une Thaïlandaise. Un matin, vraiment, on t'a déporté, mon frère. On t'a déporté. C'est comme ça, on t'a déporté. Tu es parti, quata, quata. Quata, quata. Mais oui. Mais on va venir investir dans ton pays, comment? Est-ce qu'il y a l'accès à la route? Il y a l'accès à la route. Nous sommes l'un des pays où on casse les gens chaque jour. Voilà les populations là-bas de Bonapiso. On les a détruits. Mais le terrain est là, abandonné. Maintenant, l'affaire est au tribunal. Pendant les années, pendant ce temps, les gens meurent. Les gens meurent d'AVC. Ah, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, Frambia, son père ne l'a pas aimé, en fait. Son père ne l'a pas aimé. Si son père l'avait aimé, vraiment, il devait le former depuis lors. Mais oui, c'est clair. Ah oui. Moi, je voulais que mon fils fasse la soudure. Mais mon frère, il veut faire la soudure. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai déjà acheté un poste de soudure. Mais oui, j'ai acheté un poste de soudure à mon fils. C'est clair. Avant qu'il n'ait son permis, depuis l'âge de 15 ans, je l'avais déjà appris à conduire. C'est clair. Donc, c'est pour dire quoi dans la vie? Si tu veux que ton fils soit un bon chauffeur, tu ne dois pas attendre qu'il ait l'âge adulte pour lui apprendre à conduire. Sinon, ça devient la tombola. Ça veut dire que si tu l'apprends à conduire tard, le temps qu'il rectifie ses erreurs, les autres vont payer le prix cher. Donc, c'est pour dire que nous devons absolument barrer la voie à Frambia. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour le Cameroun. C'est un danger pour le Cameroun. On ne doit pas forcer un leader. On ne doit pas forcer quelqu'un, un leader, à venir gouverner un peuple. Non, à venir diriger un peuple. Et tout ce qu'on découvre étant déjà vieux, ça devient un problème pour nous-mêmes. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Et voilà pourquoi les gars ne veulent pas lâcher. Parce que c'est les mêmes choses qui vont continuer. C'est les mêmes avantages. C'est les mêmes atouts. Tout et tout. Mais comme les Camerounais sont tellement complexés. Non, regardez comment il est frais. Regardez comment il parle. Regardez. Voilà quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance. Toi, toute la misère du monde, c'est son père qui a créé. Toute la misère du Cameroun, là, c'est son père qui a créé. Les gens qui meurent là, que oh, Cabré Nyamdi est mort, Cabré, tous ces gens-là, c'est la route que son père a négligée. Parce que s'il y avait au moins les barres de protection, ça pourrait bouter. Attendez, partout il y a des personnes ivres au volant. Partout dans le monde, il y a les mauvais chauffeurs. Mais peu meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Sur les autoroutes, il y a la sécurité. Mais oui, il y a la sécurité. À toute heure, le patrouille là, hein, la patrouille se balade. La patrouille se balade pour voir s'il n'y a pas un choc avec l'ambulance. L'ambulance est à côté. Parce que s'il y a un accident grave, directement, on appelle l'ambulance qui va venir porter l'accidenté et amener dans un centre d'urgence aussitôt. On sauve la vie. Parce que la voiture, on peut en avoir plusieurs, la voiture, dans la vie. Mais l'être humain, on n'a qu'un seul être humain. Oui, on n'a qu'un seul être humain. Chacun de nous n'est qu'un seul. Donc, quand tu meurs, tu es mort. Alors, maintenant, là, ils ont la chance d'aller en Suisse, tout. Vous croyez, c'est lui qui va faire quoi? Quand quelqu'un veut s'engager, si Frambia était engagé, c'est qu'il allait poser les actes politiquement. Politiquement. Mais oui, mais,
L'enfant était derrière, il a caché l'enfant, tout et tout, non, peut-être. Non, c'est ça, parce qu'il croyait qu'il était immortel. Ah oui, donc ne te crois jamais immortel. Voilà. Ce que tu fais là, il est mieux d'apprendre ça à ton fils, même si demain, il va prendre une autre route. Ce que tu fais là, qui nourrit ta famille, arrête de dire ça. Que non, moi, je ne veux pas que mes enfants fassent la musique. Et rien. Pourquoi? C'est ça qui te nourrit aujourd'hui. Apprends le moins à grincer la guitare. Dis que peut-être tu veux pas qu'il fasse le genre de ta musique. Mais il peut être dans la musique. Il peut être dans ce monde-là. Elle fait partie du monde, le showbiz. Ne veut pas être absolument être un chanteur ou bien un musicien. Non, il y a les réalisateurs qui ont beaucoup d'argent. C'est ça l'Africain. Toujours on te dit que non, je ne veux pas que mon fils fasse telle chose. Mon frère, tu es là, il peut être même éditeur. Tu es là depuis les années que tu es artiste. Tu ne connais même pas couper une vidéo collée. Tu ne connais rien faire. C'est que tu es archaïque, en fait. Tu as l'argent plus que les réalisateurs. Tu connais ce qui veut dire un réalisateur? Est-ce que les acteurs ont l'argent plus que les réalisateurs, là? Quand vous voyez dans un stade, là, on a placé les caméras partout, là. Tout. Mon ami, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'école. Tu vois un petit là comme ça là avec les histoires, il manipule tout sur sa console. Il gère tout un stade. Il est derrière. On dirait que celui que tu vois là, son père était un ancien grand artiste. Mais il a orienté son fils ailleurs. Ça veut dire que tu fais partie du monde, mais tu es ailleurs. Donc c'est comme ça la vie. Tu peux devenir un producteur. Parce que tu sais qu'en produisant les artistes, tu as ta part dedans. Non, arrêtez de dire que non, je ne veux pas que mon fils fasse telle chose parce que non, c'est un mauvais monde. Dis que peut-être toi, on t'a trompé. Maintenant, quitte à toi d'amener ton fils et parrainer ton fils que non. Voilà, à l'époque, j'avais fait telle erreur, ne fais plus telle chose. C'est comme ça. Quand je dis souvent à mes frères ici là que non, faites attention. Je vous interdis d'aller investir au Cameroun tant vous êtes à l'étranger. Non, c'est mon argent. J'ai le temps, je vais rentrer chaque temps, mon ami. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, mon frère, ma soeur. Quand tu es là, tu jettes tes choses toi-même. Même seulement le fait que tu es là et que tu viennes en retard, il y aura des problèmes. Même seulement le fait que tu viens en retard alors que toi-même tu es là, tu auras des problèmes dans ton entreprise. Combien de fois quand on sait que tu n'es pas là? Tu vois un peu? Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, la nature a horreur du vide. Paul Biya devait faire engager son fils depuis les années. Parce que c'est pour dire vrai là. Tu crois que celui-là peut parler fort à qui? Il peut parler fort à Jafam Ndongo. Il peut parler aux généraux là. Il peut parler à qui? Parce que c'est un gars qu'on devait déjà fabriquer de manière que lui-même là. De manière que il pouvait même challenger même le président Kamto. Mais oui, il pouvait challenger le président Kamto. Mais comme l'égoïsme de l'homme, Paul Biya, il est égoïste. Il veut laisser, il ne veut pas. C'est ça. Alors, quand tu as noyé tout un peuple, Dieu te punit. C'est comme ça. Dieu te punit. Le karma existe, non? C'est ça la vie. Voilà la fin de l'homme. Il croyait qu'il devait être beau toute sa vie, jeune toute sa vie. Il ne devait jamais vieillir, tout et tout. Voilà la fin. Voilà la fin. Lui-même, il se pose les questions. C'est qu'est-ce que c'est? L'homme qui est en danger au Cameroun, c'est Paul Biya. L'homme que sa vie est en danger, vrai, voilà, c'est Paul Biya. Après, il faut dire la vérité. Quand je le vois là, il rit, moi seulement. L'homme le plus en danger du Cameroun, c'est Paul Biya. Franchement. Parce que vrai, il ne sait pas sécuriser. Il ne sait pas sécuriser. Mais oui, on a vu dans les dictatures, comme au Gabon là-bas, mon ami, Ali Bongo était la ministre de la Défense. Hein. Ah oui, il était la ministre de la Défense. Ah oui. Donc, arrêtez de gesticuler. Vous êtes là, vous enfoncez l'enfant de truie dans le trou. Voilà, vous dites que non, bienvenue, nanani, nanana, oh, oh, oh. Mon ami, quand on prétend être président, on n'est pas mou. Il est d'abord trop mou. Voilà, donc pour lui, là, c'est moi seul. Donc, il ne peut pas faire face au président Maurice Kamto. C'est moi-même qui va faire face à Franck Biya. Ah oui, 2025, là, c'est moi qui fais face à Franck Biya. C'est moi qui va le challenger. Donc, partout, il va faire ses campagnes. C'est là où moi-même, je serai. Oui. Comptez sur moi, non, les gars. Oh, ouais. Donc, partout où il aura un meeting, c'est là où moi-même, je pars. Oh, 2025, c'est bientôt, non? Et que le gré, quel gré à gré? Dans quel pays? Ça ne passera pas. Et que ça ne passera pas? Arrêtez, ça ne rêvait pas. Le Cameroun n'est pas les autres pays, là. Voilà.
Les gens ont toujours dit que non, le Gabon est comme le Cameroun. Vous avez vu comment ça a changé, non? Voilà. Le Gabon, le Cameroun n'est pas... Non, non, non. Ailleurs, là, il n'y a pas les Bamileke. Voilà. Ailleurs, là, il n'y a pas les Nordistes. OK? Voilà. Ailleurs, là, il n'y a pas les Nordistes. Ailleurs, là, il n'y a pas les anglophones. Voilà. Au Cameroun, c'est compliqué. Donc, arrêtez vos petits commentaires, là. Que non, non. Donc, il va être président du Cameroun. Il va faire moins du nozo. Quand ils voient les gens s'asseoir ici dehors, le problème du Cameroun n'est pas ceux que vous croyez qu'ils sont. Non. Le problème du Cameroun, le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas le Bamileke comme on parle là. Le vrai problème du Cameroun, c'est le nozo. Vous allez faire comment avec eux? Et fais attention, dans un combat que ton père n'a pas pu gagner, méfie-toi, surtout politique. Dans un combat que ton père n'a pas pu gagner, quand il était aux affaires, ce n'est pas toi qui va venir gagner ça. Soit tu risques de perdre ta place que ton père t'a donnée. Écoutez-moi bien. Dans un combat en politique, tous les combats politiques que le père à son vivant n'a pas pu gagner, ce n'est pas l'enfant qui va venir. Même pour la paix au Cameroun, dans le nozo, il faut un non-nime, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en connivence avec le RDPC. Et vous connaissez, mon ami, il n'y a pas le Cameroun sans le nozo. Et ces gars-là, déjà 8 ans, 7 ans de guerre, ils sont capables de vivre seuls parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Et vous connaissez, l'avenir, c'est là où il y a l'argent. C'est la porte du golfe de Guinée. C'est la porte, c'est la richesse. C'est pour ça. Vous croyez que les gens bagarrent pour rien? Il a dit, tu crois que quand quelqu'un commence à bagarrer là, que je vais être seul. Attendez, c'est parce qu'il sait que s'il est seul, voilà ce qui va profiter, non? Vous ne comprenez pas. Regardez tous les peuples. Quand le Sud-Soudan s'est levé pour dire au Soudan que nous, on veut être seul. Nous, on veut être seul. Les Arabes ont dit que dis donc, fichez-moi le camp, on va vous mater. Plus de 30 ans de guerre. Ils ont envoyé John Garang là-bas. John Garang lui-même, le colonel John Garang, il s'est retourné contre. C'est-à-dire que vous envoyez le fils d'un point d'aller tuer ses frères. Le gars est entré au champ. C'est comme ça. Donc faites attention. Le vrai problème du Cameroun, c'est le nozo. Et les anglophones ont une culture que nous, on n'a pas. Oh, ils se préfèrent d'abord. Ils sont unanimes. Ils ne sont pas les garouates, les traîtres comme nous. Mais oui, les anglophones sont les personnes déterminées. Et faites attention. Donc, quand ils voient les gens disent que non, Franck, il va faire comment le problème du nozo? Ils vont faire comment? Et là, c'est ce qui se passe là-bas actuellement. Là. C'est le petit frère. On appelle ça le miroitage des problèmes. Le jour où, comme dans les films zombies, le jour où Paul Biya va partir, vous allez voir dans la force de ces gars. Ouais. Parce que qui noue les relations à l'international? Peut-être c'est Paul Biya qui négocie. Pendant ce temps, eux aussi, ils ont les enfants là qui négocient. Voilà. Quand ils vont mettre la pression, les années, on ne trouve pas la solution. Qu'est-ce qu'elle fait? Les Nations Unies viennent entrer au milieu, bing, c'est fini. Quand les Nations Unies viennent déposer, ok? Quand les Nations Unies viennent déposer les outils de guerre là-bas, les casques bleus, on construit un camp, c'est fini. Même le Soudan, même le nord du Soudan là-bas. Au Darfour. Le Darfour sera indépendant. Parce qu'il y a une base des Nations Unies là-bas, dans la ville de Niala, depuis les années. Parce qu'un homme, il revendique l'indépendance. Le Darfour. Donc, c'est les zones que je connais bien. J'ai fait l'aventure. Donc, je parle des histoires que moi, je connais. Voilà. Donc, à l'époque, à notre époque au Soudan, il y avait beaucoup de réfugiés du Sud-Soudan à Khartoum. À Khartoum, à Wat Madani, à Port Soudan. Voilà. Pendant ce temps, tu les voyais très misérables. Mais le pétrole venait que de chez eux. Voilà pourquoi depuis là, c'est grave. Pourquoi? Parce que l'homme du Nord, il n'avait plus assez de pétrole. Le pétrole sortait du Sud. Donc même la grande gueule que nous sommes en train de faire là, sachons que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de puiser le pétrole dans le nozo. Voilà, dans le nozo. C'est pour dire que quand les gars là se lèvent là, ils résistent. C'est pour dire qu'ils comptent sur quelque chose. C'est tout. Voilà. Même ici, là, en Indonésie, le Timor,
Le Timor était Indonésie, côté indonésien. Là-bas, on parle portugais. Ils se sont levés. Ils se sont levés. Et pour finir, ils ont eu l'indépendance. Et le président du Timor, il était ici à Jakarta, en prison. Donc, être en prison comme la Ayub Tabela, ce n'est pas une fatalité, mon frère. C'est parce que tu ne comprends rien en politique. Quand tu dis que non, on l'a condamné 20 ans de prison, il l'a condamné à mort. Condamner un politicien même 100 ans. Voilà. On avait arrêté, pour exemple, Maurice Kamtoke, incitation à la rébellion, nanani, nanana. Il a fait combien de temps? Il est sorti. Un homme politique, c'est ça. Il peut être en prison. Il sort, il devient président. C'est ça, un homme politique. Donc, il faut être minable dans vos petits cerveaux, là. Quand vous ne lisez pas la géopolitique, vous ne prenez les exemples ailleurs. Vous voulez seulement vous faire plaisir à vous-même. C'est-à-dire que quelqu'un veut justifier sa faute, sa médiocrité. Mandela a fait 27 ans de prison. Même le pouvoir, là, aujourd'hui, qui est dans la main de Paul Biya, lui-même, ça le dépasse déjà. Ça le brûle. C'est brûlant. Voilà. Quel est ce pouvoir que tu as? Au départ, tu n'étais pas aussi féroce. Que c'est à la fin. Quand on voit comment les policiers brutalisent, tapent sur les citoyens. Les assassinats, matin, midi, soir. Ça veut dire qu'il y a les signes de la fin. Ça ne manque pas. C'est les signes de la fin. Là même, Dieu t'a abandonné. Voilà. Dieu t'abandonne. Voilà. On amène tout le monde dans le jeu. Les petits enfants sont mêlés. On peut payer. À notre époque, depuis quand tu pouvais voir un enfant défiler au 20 mai ou bien le 11 février? Depuis quand? Moi, aujourd'hui, tu peux au Cameroun, tu peux au défilé, tu vois les enfants de l'école primaire. On habille en habit du RDP, c'est pour défiler. Ça, c'est le signe de la fin. Alors que pendant les années, un homme qu'on a aimé, on a choyé, on a cru en lui. Mais pendant ce temps, ses idées étaient ailleurs. Il pensait à sa vie seule. Ou il se réveille quand il est trop tard. Voilà. Quand c'est ta fin, même ceux qui étaient loyaux avec toi vont se retourner contre toi. Quand vous voyez Vision 4 aujourd'hui là, commencer à faire la propagande, ils vont se tuer entre eux. Ils ont apporté le gars de Vision 4, tapé dedans. Un homme qu'eux-mêmes ils ont fabriqué pour défier les autres. Quand c'est la fin, tu te trompes. Tu te rends compte que tu t'es trompé à tous les niveaux. Et c'est ceux-là que tu as fabriqué qui seront tes ennemis. Parce que par la suite, ils vont chercher ta tête, ils vont financer ceux qui sont vraiment contre toi, comme le MRC. Maurice Kamto, président, chapeau, sois fort, sois courageux. La fin est proche. On va prendre le pouvoir. Ils seront obligés de te faire allégeance et te donner le pouvoir pour être en sécurité. Parce que les gens, ceux du Nord, ils n'ont jamais oublié. Vous êtes tous en train de dire que le Bamileke, mais tout le monde connaît dans le cœur de chacun que le Bamileke, c'est un pacifiste, c'est un homme bien. Mais il y a ceux qui veulent se venger. Continuez toujours à dire que non, voilà le danger là-bas, tout et tout. Non, c'est parce que on vous adule. C'est parce que l'homme Bamileke se présente le premier. Il adule. Mon ami, parlez tout comme ça. On avait tout dit qu'on va prendre le pouvoir comment? On va prendre le pouvoir. Bellingham Mugu disait que le pays était pour lui, non? Il est en prison, non? Voilà la vie seulement. Même Bellingham Mugu était en liberté, non? Ça ne fait pas un an qu'il était en liberté. Il était le plus grand milliardaire. Il a conçu la plus grande chaîne. Il devait même construire la bibliothèque de Paul Biya. Il est en prison. Vous allez prendre le pouvoir comment? On va prendre ça par ta main. Peut-être on va prendre via toi. Peut-être on va enceinter ta soeur. Okay. Et l'enfant de ta soeur va devenir président du Cameroun. Donc, on va tout prendre le pouvoir. Petit salopard que tu sois. On va prendre le pouvoir comment? Paul Biya a pris comment? On l'a pas donné. Même Paul Biya peut donner aux gens qui savent qu'avec lui, là, il sera en sécurité. Tu sais pas ça? Oui, c'est bien sûr. Il peut lui-même donner. La politique, mon ami, c'est un couteau à double tranchant. Hein? C'est un couteau à double tranchant. Tu crois que ce qui s'est passé là-bas au Congo, tu vois, c'est quoi? C'est un arrangement. Quand tu vois ce qui s'est passé au Congo, là, en réalité, Tshisekedi n'était pas dans le plan de la France. Non, mais en réalité, ce n'était pas prévu que ça devait être Tshisekedi. Mais ça a été un arrangement. Parce qu'en donnant à Fayulu, le gars devait l'être traduit. En donnant le pouvoir à Fayulu, normalement, quand on regarde les choses, c'est lui qui a gagné les élections.
Mais quand on regarde les choses, il faut que quelqu'un qui doit me protéger, protéger mes intérêts. Il peut arrêter tout le monde, mais il ne me touche pas. Comme ce qui s'est passé en Angola, non? Le président a arrêté tout le monde, mais sauf l'ancien président, Eduardo Santos, jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est ça la politique, mon ami. Il y a des choses que tu ne peux même pas comprendre. C'est que tu es naïf. Quand on vieillit, on devient sorcier. Quand on vieillit, on devient sorcier. Il y a des accords que tu ne peux même pas imaginer en politique. Et même en politique, il y a des accords que tu ne peux même pas imaginer. Et l'homme politique est celui qui préfère l'homme politique. L'homme politique est celui qui préfère l'homme politique. Toi qui n'es pas politicien, tu es dans ce qu'on appelle l'émotion. L'émotion. Voilà. Tu es dans une forme de vengeance. Ou bien que celui-là que tu veux te venger contre lui-là. À un certain moment de la vie, il détenait certains secrets du pays. Et que tu auras toujours besoin de lui. Voilà pourquoi tu vois, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, même les coups d'État, on ne tue plus les gens. Parce qu'on a besoin. Il y a des secrets. L'Afrique a beaucoup perdu à l'époque en tuant ses leaders. C'est voilà pourquoi aujourd'hui les choses ont changé. Ce n'est plus facile qu'on tue encore. Même les opposants, c'est rare. Voilà pourquoi partout, on recherche la paix. Voilà pourquoi Succès Massara est rentré. Succès Massara est rentré. La politique va changer. Et ça même a changé aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, on a des opposants qui veulent mourir? Parce que ce n'est pas parce que tu es président de la République qui te donne tous les pleins pouvoirs que tu es le seul fils de ce pays-là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Moi, je n'ai pas peur que je parte au Cameroun. On m'arrête. Comme on m'a souvent arrêté. C'est mon pays. Donc, si c'est pour ça, je me suicide, je meurs. Non, c'est la moindre des choses. Quand il y a un gars, non, mais c'est pas, tu découvres, que, tu me découvres aujourd'hui. Ce que je dis, j'ai dit plus pire que ça sur les réseaux sociaux. Étant au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun. Ça fait 2 mois que je suis sorti. Ça fait 2 mois, monsieur. Après avoir fait 3 ans là-bas. Après avoir été torturé, arrêté, menacé de mort, tenté de mort, tenté de m'assassiner. Mon ami, tu ne peux pas m'empêcher de parler de ce qui m'appartient. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Ok? C'est l'héritage de Dieu, de nos ancêtres. Donc, pour toi qui es minable là, je sais, tu me prends pour un fou. C'est parce que tu sais que je suis courageux que toi. Et quand tu sais que quelqu'un peut faire les choses que tu ne peux pas faire, tu le traites d'un fou. Comme à l'époque, beaucoup de personnes traitaient Essama de fou. Les statues qu'on casse aujourd'hui partout là. Tu vas célébrer Essama quand? Essama l'a fait depuis. Wugli Masaga l'a fait depuis. Mais hier, on les traitait de fou. C'est parce qu'ils ont compris que non, l'habit ne fait pas le moine. Que ce n'est pas parce que tu t'habilles bien que tu vas construire ton pays. Mais c'est le jour qui va mourir, qui sera érigé en héros. Et ça m'a. Mais quand tu le vois, tu dis que non, c'est parce qu'il est courageux. Il est courageux. Et je vais te dire quelque chose. Au départ, je ne comprenais pas ça. Plus tu es courageux en dictature, en temps de guerre, la meilleure façon de se protéger en temps de guerre, c'est d'avoir ta part d'armes de guerre. La meilleure façon de se protéger n'est pas de se cacher dans sa maison. C'est de sortir tes garçons, rester devant la cour avec ta part de machette. Ceux qui passeront avec la machette vont comprendre que peut-être vous aussi, vous avez pris aussi la maison, c'est en otage. Et que voilà pour vous que vous avez choisi. Donc, en temps de guerre, ou bien dans la situation dans laquelle nous traversons au pays là-bas, je suis en sécurité que toi. Les mêmes gens qui m'ont arrêté me connaissent. Quand ils me trouvent, ils me saluent. Toi, on ne te connaît pas. Moi, on ne me fait pas du mal n'importe comment. On ne me touche pas. Mais toi, on peut prendre ta chose. On peut faire ce qu'on veut sur toi. Bah, tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà la différence entre toi et moi. Moi, on sait que si on me touche, je parle. Tu ne me touches pas, je ne vais que parler. Donc, il est mieux d'éviter le monsieur là parce qu'il ne doit pas se reculer. Alors que toi, tu es un esclave. Tu es prenable. Parce que tu n'es pas courageux. On prend même ta chose, tu ne peux pas te défendre. Moi, on ne touche pas ma chose. On ne touche pas. Voilà. Même quand on touche, on dit que pardon. Monsieur, dis donc, allez remettre le type. C'est le type du monsieur à mon frère. Allez le remettre ça. Il ne veut pas qu'il vienne nous déranger ici. Là. On me remet ma chose. Mais toi, on prend. Tu as compris, non? De la meilleure façon de se défendre en dictature, c'est de se lever.
On se lève comme un seul homme. On défend la République. Voilà. Et ce sera tout comme ça. Là. Tant que chacun se lève à son tour, il y aura tous les leaders qui vont vous trahir, qui vont vous abandonner. Ils vont vous trahir, ils vont vous abandonner. Parce que c'est lui seul qui part. Et quand il part au choc, il peut arriver là-bas, lui proposer quelque chose. Il cède à la tentation. Demain, vous mettez la main sur la tête. Eh, il nous a trahi. Il nous a trahi. Mais pourquoi? Il t'a trahi parce que quand il s'est levé, tu ne t'es pas aussi levé. Il allait seul. On l'a arrêté. Et pendant qu'on l'arrête, on le met en cellule. Toi, tu penses qu'il est en train de mourir. On négocie avec lui. Il n'est pas facile pour un leader que le peuple le regarde, que le peuple est derrière lui. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Quand derrière toi, il y a les gens qui te regardent. Parce que si tu veux fuck up, on va te mettre de côté, présenter une autre personne. Voilà la différence. Voilà pourquoi, avec un peuple amorphe, comme le Cameroun, comme les Camerounais, il y aura toujours les gens, voilà, qui vont tout trahir les autres. Ils vont tout trahir les autres. Et le combat va durer. Parce que c'est ensemble qu'on va changer le bien-être et le développement de notre pays. La libération de notre pays, ça va venir de tout le monde. Ce n'est pas d'une seule personne. Détrompez-vous. Voilà. Le développement de notre pays viendra de tout le monde, de la volonté de tout le monde. Voilà. Ce n'est pas individuel que chacun doit se lever. Oh, vraiment, il faut que... Non, non, c'est tout le monde qui doit libérer le pays. Voilà. Avec la manière de faire. Voilà. Avec la manière de faire. Chacun, tu es de la diaspora, chacun est leader dans sa famille. Est-ce que tu auras dit à ton père, à ta mère, d'aller se faire enregistrer? Voilà, ta mère, elle a 70 ans, elle n'a jamais voté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ta mère n'a jamais voté? Est-ce que c'est normal que ton grand frère, que tu t'occupes de ses enfants-là, il n'a jamais voté? Quand tu causes, qu'est-ce que tu le dis? C'est comme ça. Parce que tu as porté quelque chose dans la vie. Et quand tu veux le changement, tu utilises ta position pour leur dire, mais allez-y, allez voter. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Comment tu es là, tu paies la pension de tes neveux et tu ne dis pas à ta soeur que vraiment il faut... Mais oui, il faut le faire. Parce que eux-mêmes, ils partent dans les pinces, ça a dit, ils partent voter. Et qu'est-ce que tu attends? Hein? Qu'est-ce que tu attends? Donc, il faut beaucoup faire attention à la famille. OK? Donc, nous devons nous lever pour barrer la voie à Franck Biya. Il ne peut pas être président du Cameroun. Parce que c'est encore un autre 40 ans si Franck Biya est président du Cameroun. C'est encore un autre 40 ans de plus. Donc... Détrompez-vous, il ne peut pas être président du Cameroun. Voilà. Et ce sera une erreur fatale, totale. Voilà. Donc ce sera une erreur fatale et totale que Franck Biya soit président du Cameroun. Il n'a rien d'un leader. Voilà. Les leaders ne sortent pas de leur silence à 50 ans. Ou bien à plus de 50 ans, non. Les leaders, on les découvre en bas âge. On découvre les leaders en bas âge. Lui, là, quand tu le vois, c'est un peureux. Voilà, c'est un peureux. Et quand tu regardes le cursus de Paul Biya et lui, c'est deux mondes différents. Peut-être Paul Biya est même plus courageux que lui. Parce qu'il a été dans les rouages des affaires. Voilà, mais lui, là, il sort d'où? Il va que venir se protéger au lieu de protéger d'autres personnes. Non, oui. Ils vont venir se protéger. Comme d'habitude. Parce qu'il faut un homme libre qui ne doit pas le Cameroun pour être président du Cameroun. Franck Biya doit le Cameroun. Il va venir plutôt protéger les intérêts. Il va venir protéger les intérêts de son père. Et lui-même, il va venir protéger sa vie par rapport à ce que son père a fait à ses amis. Parce que Paul Biya n'a pas fait cadeau à quelqu'un. Tout le monde a été victime de Paul Biya. En commençant même par ses propres collaborateurs. En commençant même dans la maison. Hein? Mais oui. En commençant même dans la maison. Où est son mentor? Où est son mentor? Celui qui a passé la place à Paul Biya. Il est où? Il est là-bas toujours. C'est-à-dire, il est en exil. Il a été condamné par contumace. Malgré qu'il était parti se cacher en exil au Sénégal. Il a été condamné par contumace. Il est mort. Même son cadavre est en exil. Ah, ça fait vraiment mal. Hein?
Et donc, vous voyez la méchanceté. Non. Ah ouais, vous voyez. Alors, ah oui, c'est vrai. Ouais. Et même sa femme est morte, même le cadavre est en exil. Pourquoi pas? Je vous ai dit qu'il y a les conventions en politique. Il y a les conventions en politique. Je ne serais pas surpris qu'un matin, on appelle le président Maurice Kamto, qu'avec la Lucie là, pour la paix du pays, vraiment prends. Prends. C'est possible, bien sûr. Le Cameroun peut changer. Pour la paix du pays. Parce qu'il faut un homme neutre. Un homme qui peut faire l'unanimité. Je vous ai dit, le problème du Cameroun, c'est le nozo. Voilà le caillou dans la chaussure. Voilà le caillou dans la chaussure du Cameroun. Que même si c'est le président Maurice Kamto qui prend le pouvoir, ce sera une situation difficile à résoudre. Le problème du nozo. Voilà le caillou dans la chaussure. Méfie-toi tant ton enfant a déjà pris le couteau contre toi-même. Vous comprenez ce que je vais dire? Quand ton propre enfant prend déjà le couteau à toi-même, il sort de ta maison. Et quand tu vas pour le chercher, il te sort le couteau. Il te dit que laisse-moi en paix là où je suis là. Ne me gêne pas, papa. Papa, moi, je ne veux plus. Je ne suis plus ton enfant. Mais connais-moi. Moi aussi, je renonce à toi. Je renonce à tout ton héritage. Je renonce à tout. Mais laisse-moi ici là où je suis là. Fais attention. Voilà la situation de notre pays. Quand vous voyez déjà, les gens font des revendications avec leurs pas d'armes. Ils sont déjà armés. Ils ont les jours d'indépendance. Les gars font le défilé. Les gars font le défilé le jour d'indépendance. Ils ont les pas de défilé. Tu ne sais pas où ils sortent. Tu vois plus de 5000 personnes. Tu vois le monde. Et le jour qu'ils arrivent, les villageois sortent. Pendant que les policiers, les militaires, quand ils sont là, il n'y a personne. Vous ne comprenez pas que quand un peuple est là comme ça, là, c'est fini. Ça vous dit qu'ils vous ont déjà abandonné, ils vous ont déjà oublié. Ils vous ont déjà oublié. Mais oui, il y a des maisons qui sont déjà vides. Ils ont la diaspora. C'est les mêmes pratiques comme ici, non? Comme chez les Papouas, ils sont en train de demander l'indépendance. Ils ont les enfants partout, aux États-Unis, qui sont déjà les avocats. Faites attention, ça ne se passe pas seulement sur le terrain. Hein. Ça se passe aussi au haut niveau, aux Nations Unies. Quand vous voyez parfois aux Nations Unies, on dit que le siège des représentants des aborigènes d'Australie avec la Papouasie, tout ça. C'est les mêmes organisations, hein. C'est les mêmes peuples. Hein. Les Papouas, aborigènes d'Australie, tout ça, c'est les mêmes peuples. Ils se ressemblent tous. Quand tu es ici, là, tu découvres. Tout se ressemble. C'est le même peuple. Vous voyez, ils ont les sièges aux Nations Unies. Tu vois, un gars vient là, torse nu. Voilà, avec son truc pour couvrir. Le cache-sexe, là. Il est là. Ce sont des revendications. Ce sont leurs revendications. Pendant ce temps, ils ont les enfants bien placés partout. Dans le monde entier. Ils défendent les causes. Vous croyez que c'est quoi, là? Vous croyez que l'affaire du Nozo, là, c'est une petite affaire? C'est un peu comme la cause palestinienne. Israélienne. Les Israéliens sont soutenus, pourquoi? Parce qu'ils ont les gars de la diaspora bien placés. Et méfiez-vous, avec nos frères anglophones du Nozo, vous connaissez? Bien, bien bon, nous sommes nombreux. Mais la majorité des Camerounais, dans certains endroits, dans les organisations internationales, vous connaissez, non? Quand c'est un Camerounais, la majorité, parfois c'est des anglophones. C'est des anglophones, parfois, il faut faire attention. Donc, vous croyez qui est content, là? Qui est content qu'on tue son peuple? Chaque jour, il y a les morts chez eux. Chaque jour. Voilà, en Manfé. Les places où ils faisaient bien vivre. Vous croyez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents, hein? Personne n'est content, hein? De voir son peuple qui est en train de souffrir comme ça, hein? Payer le mati, hein? Personne. Il dit personne. Personne. Et là, il y a les efforts de guerre. Vous croyez quand c'est comme ça, là? Il y a les gars qui sont là traumatisés, qui ont tout perdu. Il y a les gars traumatisés qui ont tout perdu. Que c'est à la guerre comme à la guerre. Donc faisons beaucoup attention. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà. Sauf si tu vas prendre le Cameroun et rester à Yaoundé-Douala.
Voilà. Oui, si tu vas pas pouvoir rester, il y a où des doigts là? Parce que vous, là, vous criez seulement que Frambe est ferme. Vous ne lui posez pas la question. Bon, comme tu veux t'engager là, comment tu vas gérer le problème du Nozo? Un problème qui est en train de déplacer ton père. Ton père qui a le lien avec tous les chefs traditionnels du Cameroun. Ton père qui a essayé de donner un peu à chaque famille. Lui, il n'arrive pas à gérer le problème du Nozo. Comment toi, tu vas faire? Paul Biya est l'un des présidents qui n'a réconcilié personne. Même ce que les nordistes font là, c'est le SIA. C'est ceux qui veulent profiter d'un petit poste, qui font semblant que le père Paul Biya, tout le, un vrai nordiste ne peut pas aimer Paul Biya. Oui? Un vrai nordiste ne peut pas aimer Paul Biya avec ce qu'il a fait à Idjo. Il n'a jamais gagné les élections. On lui a donné. On lui a donné. À son tour, il refuse de donner aux autres. À son tour, il refuse de donner. Il veut donner à son fils. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a ceinté à tous ses amis. Voilà. Il a changé la donne. Parce que la vie, c'est une mafia. Pour dire vrai, la vie, c'est une mafia. On met à terre. On dit que voilà comment ça va se passer. Je vais te donner. Après, voilà ce que toi, tu vas donner. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça là. Mais à un niveau, lui, il a faussé le jeu. Il a faussé le jeu. Il a laissé chacun faire comme il voulait. Il a laissé que chacun s'entache des erreurs. Chacun commet les erreurs. Il prend l'Assemblée nationale, il donne à Kava Yege Dibril. Bon, Kava Yege Dibril nomme tous ses enfants. Il est au courant de tout. Que celui-là combien d'enfants magistrats. Non, il faut lui donner. Donnez-lui les places. Donnez-lui. C'est l'élite du Nord. On te donne les opportunités. Oubliant qu'à son tour, il va vous sainte à vous tous. Tu penses que non, il va te nommer président du Sénat bientôt. Il va porter l'autre son ancien ami. Lorsque son ancien ami arrive, lui aussi, il commence à nommer les gens de son village. Il a donné la mairie à son fils à Baganté. Il nomme les gens de son village. Pendant ce temps, les autres meurent de famine. Les autres manquent d'eau. Et ils peuvent se soigner. C'est comme ça le pays. Il a partagé pour chacun. Chacun fait comme il veut. Maintenant, les seuls à penser que non, toi, je vais te pousser à côté de moi. On va respecter l'ordre constitutionnel. Voilà, là, maintenant, monsieur Biya, Paul Biya les a damné le pion. Il a laissé ses ministres nommer vos enfants. Vos enfants sont les gouverneurs. Hein, les enfants des ministres sont les sous-préfets, les préfets, les DG. Il les a laissés. Chacun a pris sa part. À son tour, il a damné le pion à tout le monde. Méfiez-vous quand vous avez un leader qui vous laisse faire ce que vous voulez. Il est en train de vous amadouiller, il boit votre cerveau. Voilà, le fait qu'il te fait, que tu es son numéro 2 là, détrompe-toi. Tu ne prendras jamais sa place. Tu ne prendras jamais sa place. Voilà. Il vous a fait croire que non, vous étiez le numéro 1, numéro 2. Il n'y a pas devenu président un jour. Il n'y a pas devenu président un jour. Non. Il ne donne à personne. Il va donner qu'à lui-même. Béta, il meurt avec, il laisse le pays là comme ça là. Celui qui n'a pas compris l'analyse de Paul Biya ne comprendra jamais le monde. Voilà. C'est toute une histoire. Voilà, toute une histoire du mal. Il n'y a pas du vrai dans son histoire. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien de bien dans son histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui a tout nagué ses amis. Il a damé le pion. Il abuse. Regardez ses collègues. Il meurt dans la misère. Les bafos chivés. Que le meilleur commissaire, que non, faut chiver. Ah oui, c'est quoi? Aucun honneur. On ne parle jamais de toi. C'est fini, on finit, pardon. Il y avait une vidéo de l'autre, de Semenge. Est-ce que vous l'appelez souvent, mon général? Ah oui, on s'appelle souvent. Oui. Il me rappelle mon passé. On parle du passé. Tout un général, chef d'état-major de l'armée. Hein? Tu sens que il parle ça malgré lui. Il fait un témoignage malgré lui. Attendez, un chef d'état-major pendant les années. Mais dis donc, comment tu sens que il a minimisé tout le monde? Hein? Personne n'a aucune valeur devant lui. Que ça fait, vous l'avez vu depuis? Non, il m'appelle parfois. le Cameroun. Tout un chef d'état-major. En fait, il n'est reconnaissant avec personne, sauf à lui-même. Paul Biya n'est reconnaissant avec personne. Sauf à lui-même. Souvent, je wonder si le père est verso. Parce que je suis verso. Le président Maurice Kamto est verso. Je wonder si Paul Biya est vraiment verso. Parce qu'un verso, c'est quelqu'un qui a un cœur. Le père là, non. Non, il n'a pas le cœur.
tu vois quelqu'un comme ça là qui, à Yaoundé, il y a éboulement de terrain, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Mais premier à réagir pour faire les dons, c'est en Turquie. Fais le don en Turquie. Un pays qui est plus riche que ton pays. Un pays qui est plus riche que ton pays. Tu fais les dons là-bas, mais c'est 1 milliard. Pendant ce temps, il y a éboulement de terrain à Yaoundé. À côté de toi, tu ne bouges même pas. Les gens manquent le matelas. Les gens que tu as décidé de les accompagner. Que tu es le président. Dis donc. Mon frère, il n'y a pas un événement au Cameroun que moi, je ne peux pas, je ne pars pas. Moi, je pars dans tous les événements du Cameroun. Bonjour, bonsoir, mon vice-président. Monsieur Palestin, mon ami, tous les événements, l'événement de Ndorbonne, j'étais là-bas. Ok? Ok, Romial, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Si j'étais au Cameroun, je devais être en Bankolo. Ouais, j'étais là-bas. Et malgré tout ça, quand même, j'ai quand même logé une famille. Toi, tu as logé. J'ai lancé l'annonce ici, là, que j'ai un appartement et 5 chambres. Et la chambre, il y a un appartement qui est occupé par un sinistré de Bankolo. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Je suis toujours partout où il y a un événement. Je ne suis pas au Cameroun. Si j'étais là, je partais. Va voir mes photos sur ma page, l'événement de Bankolo. Vas-y, l'événement de Ndorbonne, Guinness. Là-bas, c'était plus grave. Là-bas, c'était plus grave. Il y avait plus de deux. Il y avait beaucoup de morts. Tout un immeuble écroulé. Donc, laisse ce que tu parles là. Alors, donc, va sur la page, tu vas voir. Même dans les écoles. OK? Ouais, Olivier Tefouet, voilà mes frères de la diaspora de Banga. Même dans les écoles en Banga, on a construit une salle de classe. Hein? En Banga, on a un orphelinat. Là où nos frères anglophones habitent. Ils fréquentent là-bas. Va sur ma page, tu vas voir. Va sur ma page, tu verras ce qu'on a fait l'autre jour. On envoie les enfants à l'école. Nous, les enfants de Mbanga, et puis nos followers qui participent. Elles sont nombreuses là. Tout le monde connaît ce que nous on fait. C'est pas pour se vanter, c'est juste pour te dire que non, les leaders ont des signes. Il faut participer à la bonne marche du pays. On ne vient pas devenir, on ne demande pas pour être président. On se lève un matin. Qu'est-ce que tu as d'abord fait pour le pays? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà mes frères qui sont là. On a mis le forage. On a mis le forage. Il y a le forage. En Banga là-bas, vas-y, tu vas voir le forage. Franck Biard a fait ça. Qui t'a dit que parce que je critique le gouvernement, que moi, on ne me connaît pas? On me connaît, monsieur. Je participe à tous les défilés. Que ce soit à Douala, que ce soit en Banga, on m'invite, monsieur. C'est vous qui pensez que non, parce qu'on critique, on n'a pas les amis. Hein? C'est vous qui croyez que parce qu'on critique, on n'a pas les amis. Non, il y a des gens à qui il faut parler, monsieur. Il ne faut pas rester là, fermer la bouche. Que toi-même, tu faisais quoi là-bas? Toi-même, tu faisais quoi là-bas? Je te dis ce que nous, on participe. Avec les followers ici, là. Et c'est ce qu'on veut que chacun fasse. Il se lève trop tard. Accepter la vérité. Il est trop tard pour lui. Et ce sera trop difficile. Hein? Voilà. Et ce sera très difficile pour un leader qui se réveille trop tard. Voilà. Je sais que toi, comme tu es un sardina, tu refuses. Maman Akono, qui est Ebolo, là-bas, qui demandait l'aide à la CIA TV. Je lui ai remis une machine de canne à sucre. C'est pas ça, la CIA TV. Si c'est ce que vous voulez qu'on dise. Maman Akono, une machine de 1 million de francs CFA. C'est à la CIA TV. Va voir ça sur la page de la CIA TV. Petit Tintin. Vous, que tu as fait quoi pour le Cameroun? Mon ami. Non, il faut dire ce qu'on a fait, que chacun a fait pour le Cameroun. Il faut dire ce que chacun a fait. Ah, laissez-le, il est dans quel silence? Celui-là n'aide rien. Il ne vit pas sur la même planète avec toi. Il est dans le silence. Celui-là peut aider. Son père lui-même aide. Tel père, tel fils. Donc celui-là aide. Flambia aide personne. Il ne vit pas sur la même planète que toi. Écoute-moi bien. Il ne vit pas sur la même planète que toi. Il ne connaît même pas le prix du pain. Il ne connaît même pas le prix d'un terrain. Il n'aide personne, calmez-vous, il n'aide personne. Quand quelqu'un aide, on voit. Quand quelqu'un aide, on voit, ça ne manque pas. Il n'aide personne. Voilà.
Il n'aide personne. Celui-là n'aide personne. C'est le genre de personne qu'il sort le jour qu'il a besoin de vous. Flambia sort le jour qu'il a besoin de vous. C'est parce que il rêve déjà de devenir président qu'il sort pour aller en Bankolo. Sinon, il ne sortait jamais. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il sort parce qu'il aspire à être président. Le gré à gré est mis sur pied. Le gré à gré est en marche. Maintenant, il sort parce qu'il a besoin de votre amour. Il ne connaissait pas que le moment venu, il devait avoir besoin des gens. Il oublie que même quand on veut faire le faux, on a besoin des gens. Voilà. Les gens oublient que même quand on veut faire le faux, on a besoin des gens. Et ils découvrent ça trop tard. Ils découvrent ça trop tard. Ça veut dire que son père ne lui a pas fait du bien. Son père devait le former depuis. Son père devait le former depuis. Que mon fils soit en activité, soit en action. C'est très important. Parce qu'un jour viendra, tu auras besoin de la sympathie de beaucoup de personnes. Tu auras besoin de la sympathie des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là? Il prend le micro, il essaie de parler. Il n'a pas fait quoi à Bankolo? Il a fait quoi à Bankolo? Vrai, il a fait quoi? C'est parce qu'il a besoin de la sympathie des gens. Mais il se fait trop tard. En quel moment? En quel moment? Il était où pendant Corona? Il était où pendant Corona? Il était où pendant Corona? Quand les millions de Camerounais mouraient. Quand des milliers de Camerounais mouraient. Il était où? Ah, c'est aujourd'hui qu'il se lève. Le président Maurice Kamto, on est habitué à lui. Il assiste à tout le monde. Il est là. Pendant Corona, on a cotisé plus de 1 million d'euros. C'est ça, on dit un leader. Un leader qui est toujours là. Un leader, son nom sort toujours quelque part là où il y a l'histoire du pays. Hein? Pendant Bakassi, il était là. Quand on veut parler des ministres qui ont démissionné, il fait partie. Voilà, on dit un leader. Un leader a les traces. Les traces, c'est ce que les autres vont utiliser demain pour passer par là. Mais les petites personnes laissent les tâches. Ils jonglent, ils sont tous absents. Ils trichent. Ils sont au jour, ils sortent. Le jour qu'ils sortent, non, vous savez que vraiment, excusez-moi, ça faisait longtemps. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Méfiez-vous, mon frère. Arrêtez de vous cacher. Voilà. Il faut faire avant qu'on te déçoive. Même dans les familles, bats-toi toujours. Fais avant qu'on te déçoive. Aie une belle intention. Engage-toi. Ne sert à rien de venir là, aujourd'hui, venir commander. Non. Ceux qui n'aiment pas Maurice comme toi, on connaît. C'est les gens de la famille. C'est les gens qui sont dans la mangeoire. D'autres sont là en ignorance. D'autres, c'est parce qu'on a passé le temps à diviser les Camerounais. Que non, un Bamileke ne peut pas. Non, vous allez que les donner, le pouvoir là. On avait dit ça au Nordiste. On avait dit ça au Nord, Ouattara. Là-bas, c'était même plus grave. On avait même voté les lois. Hein, que lui là, il n'est pas ivoirien. Il a fini par devenir président de la République. Le voilà bientôt 3 mandats. Quelque chose qu'on ne veut pas. Mais faites attention. À force de dessiner le diable, vous verrez le diable vrai. J'ai toujours dit que l'homme Bamileke se calme. Tout le monde est tensionné. Mais le vrai tensionné du Cameroun, c'est l'homme de l'Ouest. Parce que quand on fait les bruits là, c'est le seul jusqu'à maintenant qui a les moyens de la politique. Que même Paul Biya connaît la force de l'homme Bamileke. Je dis même que même Paul Biya, il tourne là. Il connaît que les gens là. attendez, les gens font que les bruits. C'est le seul qui a les moyens de sa politique au Cameroun. Voilà, ceux qu'on choisit là, c'est le pourquoi, c'est la seule cible. Parce qu'on sait que les autres, ah, dis donc. Ah oui, les autres là, c'est un acquis. On peut les manipuler comme on veut. C'est le seul peuple jusqu'aujourd'hui que c'est pas facile. Tu ne peux pas les broyer. Si les Français n'ont pas pu broyer l'homme américain, c'est qui va les broyer? Aujourd'hui, avec la mondialisation, ils sont partout dans la diaspora. Ils sont obligés. Paul Biya est obligé de prendre certains frelatés là. Voilà, le mettre à côté et puis faire avec eux. C'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le jour où eux-mêmes ils seront tensionnés là, vrai. Qu'on va comprendre que le pays là, c'est un autre pays, c'est notre dimension. Donc en fait, continuez à faire les bruits que vous faites là. Ils vous regardent toujours. Comme c'est le moins cher que oh, le Bamileke ne peut pas être président du Cameroun, tout et tout. Tous ceux qui ont dit ça sont. N'est pas, ils sont aux oubliettes aujourd'hui. D'autres sont morts comme les rats. Hein? D'autres sont morts comme les rats. Continue à souhaiter que oh, l'homme Bamileke, mon frère,
Ah, non, non, non. Mon ami, donc tu vois, tu parles français. Et tu sais ce qui veut dire le pouvoir économique? Le pouvoir économique est au-dessus du pouvoir politique dans tous les grands pays du monde. C'est l'économie qui fait les présidents. Tu vois que tu es bête. Tu vois que tu es bête. Quand les choses seront mises en ordre, quand les choses seront mises en ordre dans notre pays là, mon ami, c'est l'économie, c'est les économistes qui décident de l'avenir d'un pays. Comme toi, tu es bête là. Vous êtes très bête. C'est comme l'Indonésie. Les bailleurs de fonds, c'est la Chine. Le peuple fait les bruits là. C'est les Chinois qui décident. C'est comme ça. Voilà pourquoi les Juifs cherchent l'argent. Les Juifs cherchent l'argent. Ils sont dans toutes les positions du monde entier. Ils décident qui sera. Tu te comportes mal, on t'enlève. Vous n'avez rien. Vous avez que vous avez là. Vous n'avez rien. Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun n'a rien. Donc calmez-vous un peu là. On fait trop le bruit pour rien. Parce qu'il faut qu'on parle, on vous dise la vérité. Voilà. Parlons vrai. Nous ne sommes pas encore un pays. Nous ne sommes pas encore un pays. Voilà. Quand on sera un vrai pays là, vous allez connaître la valeur de l'économie d'un pays. Donc, ils disent qu'ils ont le pouvoir économique. Ah bon? Et tu négliges le pouvoir économique dans un vrai pays où il y a la démocratie. Mon ami, il faut l'argent. Il faut l'argent pour mobiliser les fonds, pour la campagne. Il n'y a pas d'artiste sans promotion. C'est la promotion qui fait l'artiste, qui fait connaître l'artiste. Sinon, tu pars, tu entres dans les oubliettes, mon cher frère. Même toi qui es en train de me parler là, tu écris parce que tu as eu l'argent pour mettre Internet. Est-ce que tu es bête? C'est vrai que tu es bête. Mais oui, mais il y a les gens même que vous ne connaissez pas, même les nordistes. Même les nordistes. Voilà, même les nordistes. Donc faites attention. Les gens sont calmes peut-être parce que voilà, il a essayé de négocier. Voilà, il a nommé certaines personnes, tout et tout. Mais les gens les plus mécontents du Cameroun, c'est les frères nordistes. Ils sont mécontents. Parce qu'on les a humiliés. Tout le monde connaît l'histoire. Manongi Utia, Tomorrow We Come. Tu veux les Senta? Hein? Dis donc, arrêtez ça, dis donc. Achetez les produits. Voilà le produit. Franck vient pas être présent au Cameroun. Voilà le produit. Super Love, best seller. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun. Le produit. Super Love. Si tu souffres d'éjaculation précoce, arrête de suer les hommes. Voilà. Un homme minimum, 30 minutes, 45 minutes sur la femme. Voilà. Une femme qui n'est pas satisfaite est un danger pour son mari. Et ta vie aussi en danger. Voilà le produit pour la goutte. Merci à toi, Romia Lapi. Voilà le produit pour la goutte. La cire Eric. Voilà. Les parents qui ont mal au pied, là, le pied enflé, on croit que c'est le mauvais sort. Le fétiche qu'on a lancé au village, non, tu souffres de la goutte. Beaucoup de viande, trop d'alcool. Voilà. On a mis, nous, on aide tout le monde. Voilà, les particuliers, on aide. Voilà le produit pour l'acide hydrique. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Pour la goutte. Acide hydrique. Je reprends au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà le produit pour perdre le poids. Trois boîtes, ça te fait perdre les 0 à 15 kilos. Lili Slim. Lili Slim. Produit naturel, c'est bio. Voilà le produit acheté. Voilà. Pour perdre le poids. Lili Slim. Ok. Voilà le produit pour la barbe. On a Bayam. Si tu veux beaucoup de barbe. Si tu as un problème de chute de cheveux calvétie. Sandrine Chamba, voilà le produit. Pour fermer tes chutes de cheveux, là. De mon vieux, là. Donc, voilà le produit. OK, voilà le produit. Pour la calvétie, barbe, voilà. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Donc, voilà. Mon numéro, c'est le 683. 40 97 55 6 83 40 97 55. Voilà. Donc voilà le produit. On est ensemble, les gars, on est ensemble.
Donc, on doit se mettre debout, les petits frères. Nous devons nous mettre debout. On doit barrer la voie au fils de celui qui a rendu notre avenir impossible, qui a détruit notre rêve. On pouvait tous réaliser notre rêve au Cameroun. Mais, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Paul Biya, qui a décidé de nous envoyer tous aller le réaliser dans le pays des autres. Toute la gloire que les gars, les Camerounais ont là comme ça, là partout dans le monde. Ça reste qu'ailleurs. On ne profite que du nom. Hein. Ça ne change aucune chose dans notre pays. Hein. Ça ne change rien dans notre pays. Francine Ngannou est champion. Ça ne change rien. Ça ne donne pas la route. Samuel Eto'o est champion. Ça ne donne pas la route. Oh. À cause de qui? À cause d'un monsieur qui a décidé de nous faire vivre la souffrance. Donc voilà son fils qui veut venir encore une fois de plus prendre la place de son père. Il ne fera rien. Toi, tu es plus important que lui. Tu es mieux que lui. Toi, te voilà, tu t'es battu, tu es allé dehors, tu es rentré. Tu as changé la maison en carabote de tes parents à maison en dur. Toi, tu t'es battu. Le voilà, on vient te le présenter. Il est frais, il est tranquille, il mange bien, il ne souffre de rien. Depuis qu'il est né, il a son passeport peut-être français, il a le passeport, il voyage diplomatique. Toi, tu as souffert. Donc, lui va venir te commander. Donc, te voilà, donc tu es né pour être esclave. Tu as été esclave du père. Tu vas être esclave du fils. Ah bon? Alors que si nous, on laisse ça passer, tant pis pour vous. Attendons encore notre 40 ans. Parce que comme il vient là, c'est pas pour laisser, c'est pour mourir aussi au pouvoir comme son père. Parce que son père n'est pas prêt à laisser. Hein. Détrompez-vous. Son père n'est pas prêt à laisser, mais qu'il vienne dans les normes des choses. Voilà. Qu'il arrête d'utiliser les moyens de l'État. Déjà, la démarche est fausse. Tu ne peux pas utiliser les moyens de l'État. Tu te balades partout avec. Tu marches avec la GP. Comme si tu es qui? Tu n'es pas député, tu n'es même pas maire. Comment? Hein? Il y a les services de sécurité, il y a les sociétés de sécurité. Fais-toi garder par les sociétés de sécurité. Hein? Donc, voilà mes chers frères et sœurs, nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer notre pays. Voilà. Si c'est passé une bonne journée, et nous n'allons pas être la honte de notre génération. Petit frère, tu as peur pour rien. Le désert est au-dessus des hommes. La Méditerranée est au-dessus des hommes. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es passé par là. Donc mets la peur de côté. Voilà. Tu ne vaux pas ceux qui sont morts depuis. Et le bien-être n'est pas parce que tu es parti gagner l'argent dehors, rentrer dans ton pays. Non. Le bien-être, c'est aussi vouloir le bien pour tout le monde. Le bien-être, c'est aussi s'intéresser à tout. Et à un moment de la vie, tu ne dois pas seulement te limiter à ta petite famille. Tu dois aussi chercher à regarder la communauté. Qu'est-ce que je peux donner à mes frères? Même nous, même si à l'époque on rentrait, on partait en boîte de nuit, on dépensait les 200 000, les 500 000, les 1 million. Les 2 millions, oui, je dis bien les 2 millions. Il y a de cela 10 ans. On dépensait l'argent. On n'entrait que pas qu'on ne dépensait rien, c'était 500 000. Jusqu'à ce qu'on comprenne que merde, il y a des gens en prison. Il y a des gens à l'hôpital. Les gens n'ont pas d'eau. Voilà pourquoi on a fait le forage en Banga. Les gens partent en prison parce que peut-être ils ne savent même pas s'exprimer. Et on a décidé de mettre une salle de classe à la prison de Banga. Quand même, tu pars quand même passer 5 ans quelque part, tu sors, tu ne peux même pas écrire ton nom. À un moment de la vie, il faut chercher à servir à quelque chose. Voilà ce qu'on a besoin. Et quand tu es intéressé aux choses pareilles, tu commences à refuser les injustices. Tu commences à refuser les injustices. Faites attention. Faites attention. C'est vous qui croyez que peut-être Banga Diaspora n'a pas les amis. J'ai les amis dans le gouvernement. J'ai les amis. Je dis ça haut et fort. Moi, j'ai les amis fonctionnaires. Qui vous a dit ça? Que parce que je critique le gouvernement que je n'ai pas d'amis. J'ai les amis dans le gouvernement. Qui sont des Bolova, des Sangmelima. Qui sont les commandants, les colonels. Qui sont les ministres. Si, peut-être vous croyez que d'un moment, qui sont les DG. Mais ça ne m'empêche pas de parler. C'est parce que je n'ai pas l'habitude souvent de mettre les photos. C'est parce que je n'ai pas l'habitude. Les amis, quand on fait des choses, quand on se connaît dans certains pays,
parce qu'ils voient qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de vrai. Je refuse de dealer avec eux. Je refuse de dealer avec eux. Mes grands clients de mes cannes à sucre, mes jus de canne, mais c'est les sardinants, non? Mes grands clients de canne à sucre, mes grands clients de jus de canne, c'est les sardinants. Mes grands clients du produit Sila. Mon grand client du produit Sila. C'est un gros sardinat. Si je vous dis à combien il m'achète un, tu vas Wanda? Qui vous a dit que parce que moi je critique, je me cache au Cameroun? Parce que vous allez en croire que non, il a peur, nanani, nanana. Qui vous a dit ça? Je vais toujours vous répéter, je suis entouré de fonctionnaires. Mon voisin à droite est magistrat, mon voisin à gauche est colonel. Et son mari, c'est un grand... Arrêtez ça, je vais tout vous dire ça. Arrêtez de croire que, parce qu'on critique, non, ta vie est en danger. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce qu'on a compris que non, réussir, ce n'est pas seulement toi-même. C'est apporter quelque chose dans ta communauté. Tu crois que parce que tu as le groupe chez toi, tu as la lumière avec ton groupe électrogène, les autres n'ont pas de lumière. Tu crois que tu es heureux? Non, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Dans la vie, il y a tous les contre, il y a tous les non-contre. Dans la vie, il y a tout le bien, il y a tout le mal. Donc, c'est pour dire que tu dois choisir un côté. Toi, qui as pu t'en sortir dans le mal, toi qui as pu t'en sortir dans la souffrance, tu as refusé de céder au diable, de céder à la tentation, de céder à la facilité. Tu peux dire non et mener ce combat-là pour apporter un plus dans ta famille. Et le changement commence d'abord même dans la communauté. Le changement commence d'abord dans ta communauté. Au lieu d'aller au Cameroun, tu es un gars de Souza, tu es un gars de Mbanga, de Kombe, de Diki, de Bafia, de Makelele, de Konsamba. Arrête d'aller donner la bière aux gens. Va dans les familles. Que papa, je n'ai rien apporté. Je suis l'enfant de... Achète un sac de riz, tu déposes. Achète l'huile de 5 litres, tu déposes. Ils vont manger, ils vont travailler. Ça va leur donner la force. Va permettre au père de faire les économies et pouvoir faire autre chose demain. Le changement commence par là. Tu pars dans une famille, on ne te demande pas d'aller changer la vie des gens. Le changement commence par là. Regardez dans, au quartier, une maison où un enfant a la volonté de fréquenter, mais il manque les moyens. Tu le parraines. Tu parraines l'enfant qui est brave dans la maison. Ne prends pas tout le monde. Prends une seule personne. Parce que tu prends une personne, tu mets à côté de toi. L'enfant là demain peut changer la vie des autres. C'est comme ça. Dans le respect, ce n'est pas la course. Ne laisse pas que les gens t'imposent. Tout ce que tu fais dans la boisson, dans l'alcool, le désordre là, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Ça nous a trop pris le temps pour qu'on comprenne cela. Par la grâce de Dieu, on a compris. Ça ne sert à rien d'aller en bas de lui dépenser 1 million. Ça ne sert à rien. Voilà un monsieur qui est parti manger son argent 8 millions. Il a passé quelques jours en cellule. Et il a payé sa tête. Vous voyez, voilà un homme qui est rentré au Cameroun. Il a son argent, il peut manger son argent, 8 millions. Mais regardez ce que ça l'a causé. Notre pays, là, il n'est pas encore temps qu'un Camerounais se vante. Tu peux pas vivre dans un environnement impur, sale, insalubre comme le Cameroun. Tu te vantes que tu as réussi. Regardez comment, est-ce que tu as besoin de mettre l'huile sur toi pour être frais? Regardez comment, quelques jours que je suis dehors, je suis propre. C'est pour te dire que nous vivons dans un espace insalubre. C'est la poussière qui est partout. Voilà pourquoi quand tu pars, après tu fuis, toujours tu rentres. Tu pars, tu fuis, tu rentres. Parce que tu as besoin aussi d'être propre. Tu as besoin de te sentir comme un être humain. Et là-bas au Cameroun, tu as l'argent, mais tu n'es pas être humain. Voilà pourquoi les gars volent beaucoup d'argent, ils voyagent. Ils voyagent. Les gars ont confondu l'étranger à leur pays. Tout le monde voyage. Les inspecteurs des impôts, tu les vois le week-end, ils sont partis. Le gars part en France comme si il partait Douala Yaoundé. Il part en France le vendredi. Il rentre lundi. Il prend le travail mardi. Mais oui. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un environnement insalubre. Toi, tu crois que tu aimes le Cameroun plus que qui? Nous tous, on aime le Cameroun. C'est pourquoi on veut que ça change. Mais eux là, ils ont les bonnes positions. Ils mangent. Ils pillent le pays. Ce que toi, tu ramènes au Cameroun, là, et ils prennent, ils partent avec. Eux-mêmes, ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont les cibles. Eux-mêmes, ils sont les cibles. C'est comme ça, quand ils viennent dehors, ils rencontrent les femmes, on finit par manger l'argent, on les trompe. Ils achètent les maisons au nom des femmes. Ils se cachent dans certains coins.
Ils ont d'autres destinations maintenant. Comme en Europe, on les guette un peu partout là. Les non-hommes vont toujours en Europe. Mais c'est les ministres là qui fuient. Maintenant, ils vont dans les coins comme Dubaï. Ils partent dans certains coins là-bas. Ils partent à Singapour. Les coins qu'il n'y a pas assez de Camerounais, ils se cachent là-bas. C'est comme ça qu'on les trompe aussi. C'est comme ça qu'on les abuse. Ils gardent l'argent dans les paradis fiscaux. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Eux-mêmes, ils souffrent. Donc, il faut arrêter ça, les gars. Passez une bonne journée. Il faut que notre pays change. Arrêtez le complexe. Arrêtez le complexe. Voilà. C'est pas un peuple qui veut évoluer, ne doit pas être complexé. Arrêtez de dire que le fils de tel, le fils. On s'en fout. On s'en fout de ça. On me connaît. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Pourquoi aujourd'hui tu t'entends pas être ton oncle? Tu t'entends pas être ton oncle parce que tu sais que ton oncle avait les possibilités d'hier, hier, de faire certaines choses, mais il n'a rien fait. Ton oncle a eu les possibilités hier de faire des choses, ils n'ont rien fait. J'ai les oncles même dans ma famille, je m'entends pas avec eux jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est moi le petit-fils qui a grandi, venu faire la tombe de mon grand-père. Un homme qui avait les moyens. Un homme qui avait les enfants qui avaient les moyens. Un homme qui avait les hectares de terrain. On a tout bazardé. Mais pendant ce temps, la tombe d'un père qui a travaillé est en train d'être, de disparaître. Tu fais quoi avec un oncle comme ça? Tu fais quoi avec lui? Elle te dit quoi? Il avait les moyens. Même le plafond dans la maison de son père, il n'a pas mis. Tu fais quoi avec lui? Donc c'est son fils qui va venir changer? Non. C'est les mêmes pratiques qu'on vit dans nos familles. C'est les mêmes pratiques qu'on vit dans nos familles. On peut pardonner, mais il va réveiller les morts là. Donc le fait que les morts ne peuvent plus se réveiller, donc que Frambia dégage. Que Frambia se recule. Parce qu'en le voyant là, ça ne doit pas nous faire oublier les morts qui sont morts sous le règne de son père. Mais oui, la route qui tue les gens là comme ça, là, c'est son père. Est-ce qu'il a négligé? Parce que lui, il ne voyage pas par là-bas. Il voyage par avion, voilà. Il voyage par hélicoptère, tout et tout. Voilà. Il y a des choses que parfois dans la vie, tu te recules. Tu te recules. Pourquoi? Parce que ton père a toujours fait le mal. Laissons ça là. Même au temps de Mobutu, à un moment, ses enfants ont commencé à gesticuler. Après la fin de Mobutu, ils sont où? Tous sont disparus. Tous sont disparus. Parce que le moment viendra, ils n'ont... Tu sais, on connaît la vérité quand tu n'es plus là. Parce qu'il y a les vérités que même ton propre fils ne connaît pas de toi. Et quand tu n'es plus là, ça commence à sortir. Toi-même, tu disparais toi seul. C'est ça le problème. Faites attention.